C'est un phénomène cyclique qui arrive tous les ans, comme nous le savons tous, par rapport à la montée des eaux, que ce soit qui vient du nord, du Niger ou de là, pour nous envahir. Donc c'est un phénomène donc, qui ne vient pas de l'être humain. On dit que c'est une montée d'hommes qui nous envahissent tout le temps. Mais si entre-temps, les citoyens respectaient les tests pour ne pas occuper ces espaces qui sont destinés à recueillir l'eau et autres, là, je crois qu'il ne doit pas avoir ce phénomène. Il ne doit, doit pas avoir problème, à mon avis. Je crois que l'État est en train de faire beaucoup de choses parce qu'il faudrait le reconnaître. Parce que dans ces cas, vous avez toujours sur l'assistance du ministère de l'Intérieur, peut-être, qui à son niveau a qui a un service qui sont souvent à la trousse de nos populations pour leur apporter d'assistance pour ces sinistrés et autres. Parce que bon, quand ça arrive, il y a souvent des victimes, il y a beaucoup de problèmes. L'État essaie toujours d'accompagner la plupart de ceux-là qui sont dans ces problèmes. L'autre chose, l'État également, qui a le devoir de veiller, de protéger, de tout faire, ils sont en train de prendre des choses. Imaginez un peu aujourd'hui, nous voyons tous la construction de ces canaux, que ce soit à ciel ouvert ou très maintenant, qui sont c'est toujours pour qu'il n'y ait pas ce genre de phénomène, pour que nos citoyens ne soient plus victimes dans ces cas et autres-là. Donc c'est un peu cela, à mon avis. Donc, hormis cela, il faudrait qu'eux-mêmes, ils comprennent que à l'arrivée, comment ils le savent, et que ce n'est pas aujourd'hui qu'ils se sont installés et que ça arrive, il faudrait que, donc, quand ces périodes s'approchent, ils prennent les dispositions pour ne pas être surpris. Parce que quand on apprend que donc, des mamans laissent les enfants et que ces eaux viennent subitement pour emporter ces enfants, c'est triste. Donc il faudrait que ces gens-là, à ce moment venu, qu'ils puissent quand même vider ces lieux, chercher d'autres habitations temporairement, le temps de revenir. Puisque si, entre-temps, l'État avait pris cette disposition et que, comme c'est la terre qui appartenait à l'État, je crois que ces gens de choses n'allaient pas se passer.